presentation. Dans notre dernière présentation, we were going through the history of the Millerites. Nous sommes allés dans l'histoire des Millerites. And we've already established 1798. Nous avons déjà établi 1798. I said that 1816 to 1818 are the 2 years when William Miller studies. J'ai dit déjà que 1816 à 1818, ce sont les 2 années pendant lesquelles William Miller a étudié. 1831 to 1833. De 31 donc à 33. It's the time period when he began to publicly preach and he got his credentials. C'est là qu'il a commencé à prêcher publiquement et il a eu ses lettres de créance. And then we got to April the 19th, 1844. Et là, nous arrivons donc au 19 avril 1844. Which was his predicted Day of Atonement. Et là, c'est là qu'il a commencé à prédire le jour des expiations. And so from 1833. Donc de 1833. To this is 1833 as well. Et donc là, c'est aussi l'année 1843. It's a 10-year history. Il y a une période de 10 ans. And these 10 years. Et pendant ces 10 ans. It's typifying. Ces 10 ans, donc, c'est un type. The Feast of Trumpets that we've spoken about. De la fête des trompettes dont nous avons parlé. You can turn to Leviticus 23, verse 24. Et donc, si nous allons dans Lévitique 23, verset 24. Parle aux enfants d'Israël, donc Lévitique 23, 24, parle aux enfants d'Israël et dit le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. So this is the holy convocation. Donc nous avons donc une sainte convocation. 1833. Donc 1833. It's the blowing of the trumpets. Et en fait, c'est le fait de sonner la trompette. Verse 27. Et au verset 27. Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. So the first day of the seventh month takes you to the tenth day of the seventh month. Donc le premier jour du septième mois vous amène au dixième jour du septième mois. 1833 to 1843. De 1833 à 1843. So I'm just going to mark what one of the pioneers says on this subject. Donc on va juste lire ce que un des pionniers nous dit sur ce sujet. Haskell. Et qui s'appelle Haskell. I'm just going to cut into the paragraph. Donc je vais couper le paragraphe. It's taken from his book, The Cross and Its Shadow. Et en fait, ça vient de son livre, La Croix et son ombre. And we just read that bit. Okay. Alors, en commençant par l'année donc 1833-1834 et s'étalant jusqu'à l'année donc 1844, un message a été donné donc au monde sous le son de la trompette. Annonçant l'heure du jugement est venue. So here, donc ici, a message is pronounced to the world, un message donc est donné au monde, announcing what? Et qui annonce quoi? The hour of his judgment is come. Que l'heure du jugement est venue. So we've addressed this year, donc this on a parlé de cette balise and this one. Et de celle-là aussi. Just to give a bit more information here. Donc je vais vous donner un peu plus d'informations ici. You can see it's April the 19th, 1844. Vous voyez le 19 avril 1844. Which would make that 11 years. Et donc ça ferait donc 11 années. So I need to explain a little bit about that. Donc je dois expliquer un petit peu. William Miller. Donc William Miller. Is living in the same world that you and I live in. Vit dans le même monde que nous vivons. It's a world that's controlled by Rome. Donc un monde qui est contrôlé par Rome. In many different ways. De différentes façons. And one of the ones that's most obvious to all of us. Et une de ces façons qui est donc la plus visible. Is the calendation that we follow. C'est en fait le calendrier que nous suivons. We follow a Roman calendar. Donc nous suivons un calendrier romain. In different ways. De façons différentes. Our days go from midnight to midnight. Donc nos jours vont de minuit à minuit. Our years, nos années, begin in the winter and end in the winter. Commencent en hiver et finissent en hiver. January to December. Donc de janvier à décembre. But the Jews, God's people, mais les Juifs, donc le peuple de Dieu, had a totally different way of
marking out their days and their years. Ont une façon totalement différente de marquer donc les années et les jours. Their days went from sunset to sunset. Donc les jours vont du coucher du soleil au coucher du soleil. And their years went from spring to spring. Et les années vont du printemps au printemps. It's not more complex than our calendar. Donc ce n'est pas plus complexe que notre calendrier. But because we're not familiar with it, it seems more complex. Mais comme on n'est pas familier avec ce calendrier, ça nous semble plus complexe. They had a lunar-solar way of calculating time. Donc ils calculent en fait le temps sur une base lunaire solaire. So their months would be based upon the rotation of the moon. Donc leurs mois sont basés sur la rotation de la lune. But their years, mais les années, were based upon the rotation of the earth around the sun. Sont basés sur la rotation donc de la terre autour du soleil. So a day is connected to the sun and a year is connected to the sun. Donc le jour est connecté donc au soleil et l'année est connectée au soleil. But a month, mais le mois, is connected to a moon. Et en relation avec la lune. And there was a complex way that they used to do this calculation. Et il y a une façon complexe de faire tous ces calculs. Complex to us. Pour nous. So all I wanted to show us. Donc ce que je voulais vous montrer. If you take the year. Si vous prenez l'année. 1843. 1843. It would begin in January. Elle va commencer donc en janvier. End in December. Elle va se terminer en décembre. Then the next year would begin in January. Et l'année suivante va commencer en janvier. And it would look like this. 44. Et cela va commencer comme cela. This would be the first day of the et first ça, ça va être le premier jour du premier mois. So this is how we calculate time. Donc c'est comme ça que le temps est calculé. With our calendars. Avec notre calendrier. Now the Jews, maintenant les Juifs, they begin their year, ils commencent leur année, not in the winter, pas en hiver, but in the spring. Mais au printemps. So they would begin their year donc, here. Ils vont commencer leur année ici. About a quarter of the way into our year. Donc à un quart à peu près de notre année. So their years would look like this. Donc leur année va ressembler à cela. You can see that they're out of phase with ours. Vous voyez que ce ne sont pas en phase avec nous. So this is the spring. Donc ça c'est le printemps. And this is the spring. Et ça c'est le printemps. So it goes from spring to spring, not donc, winter to winter. Printemps, printemps et non pas de hiver à hiver. And so what William Miller is going to do? Qu'est-ce que William Miller va faire? They're going to combine these calendars together. Il va donc combiner ces calendriers ensemble. And they're going to call this 1843. Et il va appeler ça donc 1843. So that everybody knows the year they're talking about. Donc afin que chacun sache de quelle année parle-t-on. But the start. Mais le début. Is being shifted over. Va être déplacé. Now depending on the year. Donc en fonction de l'année. It's 3 to 4 months. C'est de 3 à 4 mois. So the start of the year is in the spring, not in the winter. Donc l'année va commencer donc au printemps et non à l'hiver. And they're going to call it the same years. Et ils vont appeler donc la même année. But when the Millerites talk about the year 1843. Mais lorsque les Millerites donc parlent de l'année 1843. And 1844. Et de l'année 1844. They're not thinking. Ils ne pensent pas. Like we think. Comme nous pensons. So here. Donc ici. This date would be what? Donc cette date serait quoi? The first day of the first month. Le premier jour du premier mois. Of the year 1844. De l'année 1844. And this would be the first day of the first month. Et ça serait le premier jour du premier mois. Of the year 1843. De l'année 1843. Hopefully that makes sense. Donc j'espère que ça a du sens. That's a simplistic explanation of their history. Donc c'est une simplification de leur histoire. So here. Donc ici. We've got April the 19th. On a le 19 avril. Now April the 19th. Donc le 19 avril. Is the first day of the first month of 1844. C'est le premier jour du premier mois que l'on trouve en 1844. And the last day. Et le dernier jour. Which we call New Year's Eve. Que nous appelons le jour de l'an. Or December the 31st. Ou le 31 décembre. Would be the 18th of April. Ce serait le 18 avril. 1844. 1844. So when I've got 1844 here, donc lorsque j'ai 1844 ici, the start in the mind of the Millerites, dans l'esprit des Millerites, it's 1843. C'est 1843. It's not that straightforward to grasp the first time you've heard donc, it. Donc c'est pas facile à comprendre la première fois que vous l'entendez. So in real life, donc dans la vraie vie, you're here. Vous êtes ici. In the spring of 1844. Donc dans l'été de 1844. April 1844. Donc au mois d'avril. But in the mind of the Millerites, mais dans l'esprit des Millerites, in the mind of Christ, et dans l'esprit de Christ, when all of these calculations are being done, lorsque tous ces calculs ont été faits, they're seeing
ils disent that this is the beginning of the new year. Ça, c'est le commencement de l'année. And so, et donc, as this day, alors que ce jour, from the 18th to the 19th, du 18 au 19, and remember, souvenez-vous, that if we think about the day, donc si nous parlons du jour, this is the 18th, donc ça c'est le 18, this is the 19th, et ça c'est le 19, this would be midnight, là ce serait minuit, this would be midnight, ça ce serait minuit, that's how we do it. C'est comme ça que nous faisons. So midnight begins the 18th. Donc minuit commence donc le 18e and jour. Midnight begins the 19th. Et minuit commence aussi le 19. But for the Millerites, pour les Millerites, it didn't work like that. Ça ne marche pas comme ça. It worked like this. Just making sure I get it correct. Je suis pas sûr que je suis correct. Sunset, sunset. Yeah. So here we have the 18th donc and là, the 19th. 18, et là on a le 19. And if this was midnight, donc si c'est minuit, this would be sunset. Donc là ce serait le coucher du soleil. So you can see, donc vous pouvez voir, that you switch, que vous changez, from the 18th to the 19th, du 18 au 19, from the last day, du dernier jour, I put last day to the first day au premier jour on the 18th au 18. So the 18th donc le 18 at sunset au coucher du soleil is both the last day and the first day. C'est en même temps le dernier jour et le premier jour. First time you hear this, it doesn't make sense. Donc si c'est la première fois que vous entendez ça, ça a peut-être pas beaucoup de sens. I direct you to studies that are already on the internet that go into this in a lot of detail. Donc, je vous conseille de regarder donc des études qui sont déjà sur internet qui en fait revoient tous ces détails. So here, donc ici, this for the Millerites. Donc là c'est pour les Millerites. Is the very end of 1843. Donc c'est la fin de 1843. And so they understand. Et donc ils comprennent. This to be 1843, not 1844. Que ça c'est 1843 et pas 1844. Which is how these 10 years is created. Et c'est comme ça que ces 10 années sont créées. Hopefully that makes sense. Donc j'espère que ça a du sens. There's much more we could say about those dates. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire sur ces dates. I presume we all know. Et je pense que vous savez tous. That the stars fell. There was a huge meteor shower. In 1833. Qu'en 1833, il y a eu une grande chute d'étoiles. Many people are familiar with that. Et beaucoup de personnes sont familières avec cela. But I've approached this, these dates in a slightly different fashion. Mais donc je parle de ces dates, de ces dates en fait d'une façon différente. So, we've tackled this date. Donc on a parlé de cette date. And we've tackled this date. Et cette date aussi. So we want to look at 1818. Donc nous voulons voir 1818. So you've seen, donc vous avez vu, because I've tried to introduce it a number of times in these meetings, parce que j'ai essayé d'introduire cette idée donc plusieurs fois dans le meeting, how we take a symbol, comment nous prenons un symbole, and we run through the scriptures, et nous le regardons dans les écritures, and this symbol, et le symbole, can be a word, peut être un mot, which is what we've spoken about most of the time. C'est ce que nous avons vu la plupart du temps. Can be a number. Il peut être un nombre. Remember we spoke about the 120 years of the ark. Souvenez-vous, nous avons parlé des 120 ans qui ont permis de construire l'arche. And the 120 years of what? Et les 120 années de quoi aussi? Abraham. De Abraham. When he sacrifices his son. Lorsqu'il a sacrifié son fils. How old was Moses when he died? Quel âge avait Moïse lorsqu'il est mort? You already know the answer. Vous savez déjà la réponse. How many disciples were in the upper room in the combien book of Acts? De disciples étaient dans la chambre haute dans le livre des Actes? 120. So you begin to see. Donc vous commencez à voir. How you can use numbers. Comment vous pouvez utiliser donc ces nombres? To connect multiple histories. Pour en fait mettre en relation des histoires ensemble. But you can do more than that. Mais vous pouvez faire beaucoup plus que ça. You can also. Vous pouvez aussi. See in Bible verses. Prendre des versets bibliques. Chapter numbers. Des numéros de chapitre. Fulfillment of prophecy. The fulfillment of prophecy. Et en déduire des accomplissements de prophétie. So as an example, en tant qu'un exemple, we've got the year 1818.
on a l'année 1818. And I'm saying 1818 is a symbol. Et je dis que 1818 c'est un symbole. Was 1833 a symbol? Est-ce que 1833 est un symbole aussi? Yes. Oui. I just said it was. What book did we go to? Nous sommes allés dans quel livre? The Day of Trumpets. Remember? Vous vous souvenez? Leviticus. Lévitique. 23:24. Ah oui, Lévitique 23, verset 24. 23-24. Lévitique 23-24. So we saw that 1833. Donc nous avons vu que 1833 is a symbol of the first day of the seventh month. C'est un symbole du premier jour du septième mois. So we know that dates. Nous savons que les dates can have symbols peuvent avoir des symboles attached attachés. To them. Mm-hmm. So I'm saying 1818 is donc also a symbol. Donc je dis que 1818 c'est aussi un symbole. So we've got 1818. Donc on a 1818. We're going to see that we're going to start bringing some of those thoughts that you thought were random thoughts all together as we donc, go through our studies. On va regarder des pensées que vous pouvez penser comme étant des choses aléatoires et nous allons les mettre dans l'étude. We read that William Miller was Elijah. Nous avons vu que William Miller était Élie. But who did the Jews think that he was? Mais les Juifs pensaient qu'il était qui? When I say he, lorsqu'on dit il, I mean the Elijah for their times, je parle de l'Élie de leur temps, John the Baptist. Donc Jean-Baptiste. Who did they think he was? Alors ils pensaient que Jean-Baptiste était qui? Besides being Elijah. En outre d'Élie. Moses. Moïse. And I said he was both. Et moi je dis qu'il était les deux. We read in Revelation 11. Nous avons lu dans Apocalypse 11. The two witnesses. Les deux témoins. DT? No, T. It begins with a T E M O I N S. So these two witnesses. Donc ces deux témoins. Are the Old Testament. Ce sont l'ancien AT. And the New Testament. NT. Ellen White confirms that. Et Nouveau Testament, donc Ellen White confirme cela. But did we read the verses that explain who they really are? Est-ce que nous avons lu les versets qui expliquent ce qu'ils sont vraiment? Did we read that? Nous les avons lus. I thought we did. Je pense que nous l'avons fait. Verse 5. 11 verse 5. Apocalypse Revelation. 11 verset 5. Alors, Apocalypse 11, verset 5, « Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. » So it talks about these 50 men. Sorry. Non. It talks about fire. Donc, on nous parle du feu, will come down from heaven, du feu qui descend du ciel. If any person tries to hurt, si quelqu'un essaye de les toucher, these two witnesses, de leur faire du mal, donc ces deux témoins. Let's read on. Nous continuons. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. So in this verse, donc dans ce verset, it says these two witnesses, il nous dit que ces deux témoins, have power, ils ont la puissance, that it should not rain, afin qu'ils ne puissent pas tomber de pluie, in the days of their prophecy, dans le jour de leur prophétie. So do we know a person who stops it from raining? Est-ce que vous connaissez une personne qui a empêché la pluie de tomber? So this is Elijah. Ça c'est Élie. Then in the same verse, et dans le même verset, he says they have power over the water to turn them into blood. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. And who does that? Et qui a fait cela? So you've got Elijah and Moses. Vous avez Élie et Moïse. And then in verse 5, they can bring fire down from heaven. Et dans le verset 5, ils peuvent amener du feu qui descend du ciel. To devour their enemies. Pour dévorer leurs ennemis. And who did that? Qui a fait cela? This is Elijah. Donc c'est Élie. So you can see, vous pouvez voir, that they're a symbol. C'est des symboles of Moses and Elijah, de Moïse et Élie, Old and New Testament. Ancien et Nouveau Testament. So, we think about, we've already spoken about Elijah enough. Let's think about Moses. Nous avons déjà parlé suffisamment d'Élie, maintenant nous allons parler de Moïse.
So we're in the year 1818. Donc dans l'année 1818. And we're going to go to the book. Et on va aller dans le livre. Of Deuteronomy. Deutéronome. And we're going to go to chapter 18. Et nous allons aller au chapitre 18. Verse 18. Verset 18. We're going to begin reading from verse 18. Deutéronome 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui demanderai. So, read verses 18 and 19? Mm-hmm. 18. Okay, 18, 18. God... Donc Dieu is speaking to parle à his people, à son peuple. Says, I will raise them up, je vais leur susciter a prophet, un prophète, from among their brethren, au milieu d'eux, au milieu de leurs frères. Have we read that phrase before? Est-ce que vous avez déjà lu cette phrase auparavant? They, eux, that be of thee, les ceux de les tiens, ceux qui sortent de toi. Remember we read that? Vous vous souvenez d'où on the a people vu? Who give this warning message. Donc les personnes qui donnent le message d'avertissement. Same phraseology. Donc c'est la même phrase. I will raise up of thee. Donc je leur susciterai du milieu de leurs frères. A prophet. Un prophète. And this prophet. Et ce prophète. Will be likened unto il Moses. Il sera comme Moïse. So this prophet is going to be like Moses. Donc ce prophète va être comme Moïse. Are you already established? Donc nous avons déjà établi that this prophet that's going to be raised up que le prophète qui va être suscité was John the Baptist. C'était Jean Baptiste. And John the Baptist. Et Jean Baptiste. Ellen White says was Elijah. Ellen White dit qu'il était Élie. And Elijah. Et Élie. Was William Miller. C'était William Miller. So we've connected William Miller. Donc nous avons vu William Miller. Back to this person here in Deuteronomy 18:18. Depuis donc cette personne là dans Deutéronome 18:18. Because he's the person. Ben, il est la personne. Who's going to blow the trumpet? Qui va sonner de la trompette. So who blows the trumpet message? Donc qui a en fait sonné de la trompette? Which prophet? Quel prophète? According to this verse. Selon ce verset. With Moses. Donc c'est Moïse. I'll raise them up a prophet from among them. Donc je vais leur susciter un prophète du milieu de leurs frères. Like you. Comme toi. And I will put my words in his mouth. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. And he shall speak them all that I shall command et him. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. So what is God going to do? Donc qu'est-ce que Dieu va faire? God's got some words. Donc Dieu, il a des mots. She's a message. Il a un message. And what does this prophet have to do? Et qu'est-ce que ce prophète doit faire? So they'll put it into your mouth. Donc il va les mettre dans sa bouche. He's going to eat it. Il va les manger. So once he's eaten it, donc lorsqu'il les a mangés, then what is he going to do? Qu'est-ce qu'il va faire? Says he's going to speak. Il va parler. We have multiple prophecies on on this very issue. Beaucoup en fait de prophéties sur ce sujet. Ezekiel chapter 2. Ézéchiel chapitre 2. Revelation chapter 10. Apocalypse chapitre 10. So this prophet, donc ce prophète, he's going to be raised up. Il va être suscité. And what is God going to give him? Et qu'est-ce que Dieu va lui donner? My words in your mouth. Mes paroles, ta bouche. He's going to give him a message. Donc il va lui donner un message. What message is he going to give him? Et c'est quoi le message qu'il va lui donner? Because we're in the year 1818. Nous sommes donc l'année 1818. Deuteronomy 18:18. Deutéronome 18:18. The year 1818. L'année 1818. What message is he going to be giving? C'est quel message qu'il va lui donner? What has William Miller? Qu'est-ce que William Miller been studying for the last 2 years? A étudié depuis 2 ans. First angel's message. Message du premier ange. The connected prophecies with it. Les prophéties qui sont en relation avec. So he's going to eat the first angel's message. Il va manger le message du premier ange. And then he's going to give the first angel's message. Il va donner le message du premier ange. So we've connected 1818. Donc nous avons mis en relation 1818. With the prophet that's been raised up avec here. Avec le prophète qui est suscité à ce moment-là. So William Miller. Donc William Miller. Becomes a symbol of a prophet. Devient le symbole d'un prophète. Moses, Moïse, that's raised up in this history, qui est suscité dans cette histoire. Is that a special prophecy? Est-ce que c'est une prophétie spéciale?
Yes. Oui. So we've got special prophecy here donc on a and here. On a une prophétie spéciale là et ici aussi. Giving you three special prophecies. Donc je vous ai donné trois prophéties spéciales. Feast of Trumpets. Fête des trompettes. Day of Atonement. Jour des expiations. And the raising of Moses. Et le fait que Moïse soit suscité. Verse 19. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. So it says, donc il est dit, if anybody si quelqu'un will not listen to his words, n'écoute pas les paroles, God's words, donc les paroles de Dieu, that's going to be given, qui vont lui être données, by Moses here, par Moïse ici, what does it say? Qu'est-ce qu'il est dit? I will require it of him. Je lui demanderai compte. What is it? What is the it? Does it say in your... No. It just says require. Yes. What will be required of this person? Ah, donc c'est qui le... Donc c'est moi qui lui en demanderai compte. Okay. Just read it as it says. I will require. Yes. Translate it back into English for me. Okay, so as you've got it, not as I've got it, as you've got it. C'est moi. I will. Okay. Not anyway. Yeah, I want to know. I will what? I don't know what to say. I don't know what to say it in English. Okay. Okay, it's the same. Is it good? It's not structured the same way in French. So. If you disobey God, donc si vous désobéissez à Dieu, in the English, he says, I will require this of you. Ça veut dire, je lui demanderai compte. What will be required of you? Alors, qu'est-ce que cela veut dire, je lui en demanderai compte? Your rebellion, ça veut dire que votre rébellion, your disobedience, donc votre désobéissance, it will be required. Vous allez devoir en rendre compte. What would that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? God will take account of that rebellion. Donc Dieu va prendre compte de cette rébellion. And then what will he do about it? Et qu'est-ce qu'il va le faire? What will happen to all the rebels? Qu'est-ce qui s'est passé pour tous les rebelles? They all die. Donc ils sont tous morts. In the wilderness. Dans le désert. Yeah? Oui. So they're all going to be killed. Donc ils vont tous être tués. If you disobey this prophet. Si vous désobéissez à ce prophète. How do you kill someone? Comment vous tuez quelqu'un? How do you make someone alive, my sister? Comment vous rendez quelqu'un en vie? What's life? C'est quoi la vie? The life la is vie. In la vie est dans the blood. Donc dans le sang. So when you kill someone, donc lorsque vous tuez quelqu'un, what do you do? Qu'est-ce que vous faites? You slit their neck. Donc vous tranchez son cou. And the blood pours out. Et après il y a le sang qui coule. Do you lose their blood? Et il perd son sang. That's how you kill someone. C'est comme ça que vous tuez quelqu'un. So when it says I'm going to require of you, donc lorsqu'il dit je lui en redemanderai compte, what will be required of the person? C'est quoi qui sera redemandé à la personne? It's going to be their blood. C'est son sang. Whose blood? Donc le sang de qui? If you're a Christian, si vous êtes un chrétien, is God the Father going to require? Dieu va demander donc Dieu le Père va redemander. Whose blood does he require? Il demande le sang de qui? Jesus is. Le sang de Jésus. Because Jesus has taken your place. Parce que Jésus a pris votre place. If you disobey Jesus, donc si vous désobéissez à Jésus, through his prophet, à travers son prophète, will his blood cover you? Est-ce que son sang va vous couvrir? Because you're still. Parce que vous êtes. Naked. Vous êtes toujours nu. You haven't had this transfer. Il n'a pas eu ce transfert. So in the judgment, donc dans le jugement, here, ici, the hour of his judgment is come. L'heure du jugement est venue. What's going to happen? Qu'est-ce qui va se passer? God's going to look at you. Dieu va regarder. And says now it's judgment day. Et il va dire maintenant c'est le jour du jugement. Pay the price. Payez le prix. The wages of sin is death. Le salaire du péché c'est la mort. And so it will be required of you. Et c'est ça, il va être requis de toi. Hopefully we can see all of that. J'espère que vous pouvez voir tout cela. In these verses. Dans ces versets. And this is the fulfillment. Et ça c'est un accomplissement. In this history. Dans cette histoire. At this juncture. Voilà de ce moment-là. When there's this increase in information. Donc lorsqu'il y a cette augmentation d'information. So if you don't believe the prophet that's been raised up here. Donc si vous ne croyez pas au prophète qui a été suscité ici. What will happen? Qu'est-ce qui va se passer? You'll die. Vous allez mourir. The prophet's recognized here. Le prophète doit être reconnu ici. He begins to speak
here. Il commence à parler ici. Blow the trumpet. Il sonne de la trompette. You have a warning. Vous avez un avertissement. The judgment. Et le jugement is about to be executed. Est sur le point d'être exécuté. And in this history, dans cette histoire, a foundation will be laid. Il y a une fondation qui va être posée. You will have salvation in this history. Et vous aurez le salut dans cette histoire. Now Paul, Paul understood all of this. A compris tout cela. So did Peter. Et de la même façon, Pierre aussi. So did the other apostles. Et tous les autres apôtres. So let's go to the New Testament. Donc allons maintenant dans le Nouveau Testament. The book of Acts. Et dans le livre des Actes. Chapter 3. Chapitre 3. And we're going to see Peter. Et on va voir donc Pierre. Is going to use this same phrase, this same Old Testament passage. Cette même phrase, donc ce même passage de l'Ancien Testament. And now he's going to have a present-day application for the Jews. Et maintenant, ça va avoir une application présente pour les Juifs. Verse 22. Verset 22. What does it begin with? Moses. So in English, it says for Moses. Oh, it's Moses. So you haven't got any. No. There's nothing connected to the verse only before. Moses said. Okay. So read it as it is. Donc Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous... Verse 22. Verset 22, donc acte 3, verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. In the English, donc dans l'anglais, this verse, ce verset... Doesn't begin with Moses. Ne commence pas par Moïse. It begins with a conjunction. Il commence par une conjonction. Car. It's not in your version? We have not car. We only have Moses. Oh, okay. For is car. Yes. Okay. So in the original, there's a conjunction. Donc dans l'original, il y a une conjunction. And the conjunction joins two statements together. Et la conjonction va en fait relier deux passages ensemble. So in modern English, donc dans l'anglais moderne, we would say because. On aurait dit parce que. So if you put the word because, donc si vous mettez le mot parce que, then you know, donc vous savez, whatever he's spoken of before, donc tout ce qui est dit auparavant, is a fulfillment, et un accomplissement, of what Moses said, de ce que Moïse a dit. So this is a paraphrase. Donc ça c'est une paraphrase. If we begin from around verse 19, donc si nous commençons au verset 19. But you already before. Ou même au 19. We're not going to read it. On va pas le lire. He says. Donc il dit. This and this has happened. Voilà, ça va se passer. Verse 22. Verset 22. Because Moses said. Parce que Moïse a dit. I want us to see that structure. Et j'aimerais que vous voyez cette structure. This thing has happened. Donc cette chose s'est passée. Because Moses said. Parce que Moïse a dit. Can everybody understand that, even without reading the verses? Est-ce que vous arrivez à comprendre même sans lire le verset? Just the logic. Juste la logique. Something happened. Quelque chose s'est passé. Because Moses said it was going to happen. Parce que Moïse a dit que ça devait se passer. So we're not going to study what has happened. Donc on va pas étudier ce qui s'est passé. But I want us to see. Mais j'aimerais que vous voyiez. That whatever it was. Que ce, peu importe ce que c'était. It happened because Moses said it was going to happen. Ça s'est passé parce que Moïse a dit que ça allait se passer. Say amen if you can understand that connection. Amen si vous arrivez à comprendre cette logique. Okay. Because before we didn't understand that. Do we understand it's 10 years now? Donc est-ce que vous arrivez à comprendre que c'est 10 années maintenant? That this is 43. Que ça c'est 43 en fait. Okay, hopefully that makes sense. Donc j'espère que ça a du sens. So read verse 22. Donc nous sommes dans le verset 22. This has happened. Donc ça s'est passé. Because Moses said. Parce que Moïse a dit. To your fathers. À vos pères. If they were the fathers. Donc si eux ils étaient les pères. Who are these? Donc si If they were the fathers. If they. In the verse it says Moses said unto your fathers. OK, donc dans le verset il a dit Moïse a dit à vos pères. If they were the fathers, mm-hmm. Who are you? Donc si eux ils étaient les pères, qui êtes-vous? The children. Les enfants. Fourth generation. Donc quatrième génération. Quatrième génération, oui. Yeah. Yes. Fourth generation. Quatrième génération. So then he's going to quote what it says. Donc il va citer ce qu'il dit. Deuteronomy. Deutéronome 20, Deutéronome. Verse 23. Verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. So here. Donc ici. It doesn't say require. On ne dit pas
Redemander. It says, il est dit, destroy. Détruit. And where are you going to be destroyed from among? Et vous serez donc exterminé ou détruit de quoi? From among the people. Du milieu du peuple. Do we get that? Is that how it says it? Yes. So here's a message. Donc ici vous avez un message. Given to what church? Qui est donné à quelle église? Sardis. Qui est donné à Sardes. So there's going to be a messenger that's raised up from that church. Il y a un message qui va être donc suscité pour cette église. It's Elijah. Et c'est Élie. Moses. Moïse. William Miller. William Miller. John the Baptist. Jean Baptiste. If you reject this prophet. Et si vous rejetez ce prophète. What will he do? Qu'est-ce qu'il va faire? He will destroy you. Il va vous détruire. From amongst his people. Du milieu du peuple. So in this history. Donc dans cette histoire. The 46 years. Les 46 années. As God. Is going to build up a church. Donc Dieu va construire une église. It takes 46 years to build a church up, doesn't it? 46 années pour construire une église. 46. 46. Symbol of the Ten Commandments. Symbole des 10 commandements. He's going to build up a church. Il va construire une église. In 46 years. En 46 années. But when we went to John. Mais lorsque nous sommes allés dans Jean. What does Jesus say? Qu'est-ce que Jésus a dit? I'll do the same. Je vais faire la même chose. In 3 days. En 3 jours. 3 steps. En 3 étapes. So a church. Donc une église. Gets built up in 3 steps. Se construit en 3 étapes. 3 angels' messages. Message des 3 anges. And also in 46 years. Et aussi en 46 années. And at the same time. Et au même moment. A church is going to be destroyed. Une église va être détruite. Because Protestant America. Parce que l'Amérique protestante. Is going to become what? Va devenir quoi? Babylon. Babylone. They fall into Babylon. Ils sont tombés dans Babylone. Because they reject the gospel. Parce qu'ils ont rejeté l'évangile. The tidings. Les nouvelles. Out of the north and the east. Du nord et de l'est. The gospel message. Le message de l'évangile. But it says in this verse, remember. Mais il est dit dans ce verset, souvenez-vous. It says you'll be destroyed from among the people. Vous serez détruits, exterminés du milieu du peuple. So the people are here. Donc le peuple est ici. And if you don't accept the warning message, si vous n'acceptez pas le message d'avertissement, you're going to be destroyed from amongst this people. Vous serez détruits, exterminés du milieu de ce peuple. First the church. Premièrement l'église. Then the world. Et après le monde. Same thing happens in the world as it happens in the church. Et la même chose va se passer dans le monde, ce qui s'est passé dans l'église. So this is what. Deuteronomy 18:18 is teaching us. Et c'est ce que nous enseigne Deutéronome 18, verset 18. The year 1818. L'année 1818. Let's go to John chapter 1, verse 21. Jean chapitre 1, verset 21. Just want to tie up. On va relier. That John the Baptist. Donc Jean Baptiste. Is Moses. Jean Baptiste, c'est Moïse. People think they, that is him at least. Donc les personnes pensaient que c'était lui. John 1, 21. Jean 1, verset 21. Alors, et lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Verse 22. Verset 22. Ils lui dirent alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont été envoyés? Que dis-tu de toi-même? Verse 23, he's this voice that cries in the wilderness. Verset 23, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Verse 24 and 25. Donc ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Verset 25, et ils lui dirent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? So he says in, they say in verse 25. Donc au verset 25. If you're not Christ, the si Messiah, tu n'es pas Christ, le Messie, if you're not Elijah, si tu n'es pas Élie, neither that prophet, et ni le prophète, that prophet et ce prophète is Moses. C'est Moïse. And I'm saying, et je dis, this man is Moses. Cet homme est Moïse. He's the forerunner. Il est en fait le précurseur. I want to do something that's maybe complicated that you might not see. Donc je vais faire un truc, quelque chose qui est peut-être compliqué et qu'on ne va peut-être pas voir tout de suite. That you may not understand. Et que vous n'avez peut-être pas comprendre. We've got here. Nous avons ici. 538. 538. 1798. Et 1798. 1844. 1844. 46. 1260. 1260.
This is Revelation 12. Donc ça c'est Apocalypse 12. The woman, la femme, flies into the wilderness. Qui va fuir dans le désert. Remember? Vous vous souvenez? So the wilderness is here. Donc le désert est ici. 1798, time of the end. Donc 1798, c'est le temps de la fin. John the Baptist is born. Jean-Baptiste est né. So we begin to minister. Donc il commence à faire son ministère. So if this is the wilderness, donc si ça c'est le désert, what would we call this period? Comment appelons-nous cette période? Let's read verse 23 again. On va lire le verset 23 encore. Mais dit-il, moi dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. This chapter, donc ce chapitre, is here. Est ici. What's John doing? Qu'est-ce que Jean il est en train de faire? Crying. Il est en train de crier. Public ministry. Donc c'est un ministère public. So now he's raising up and doing this work. Donc il est en train de d'être suscité et de faire son œuvre. And he says, I am a voice. Je suis une voix. I have a message. J'ai un message. And where am I standing? Et où est-ce que je me situe? In the dans le wilderness. Dans le désert. Because there's a path in the wilderness. Parce qu'il y a un chemin dans le désert. Which is the path that we've spoken of. Qui est le chemin dont nous avons parlé. So what else do we have here? Qu'est-ce que nous avons ici aussi? We have a desert. On a un désert aussi. We have Moses. On a Moïse. And Elijah. Et Élie. In this history. Dans cette histoire. But we also have. Mais nous avons également aussi. Moses. Moïse. And Elijah in this history. Et Élie dans cette histoire. Let's pray. Prions. Heavenly Father. Père céleste. We thank you for your watch care and your goodness. Nous te remercions pour ton soin, le soin que tu prends de nous et ta bonté. Please guide us and bless us. Guide-nous et dirige et bénis-nous. Help us to honor you. Et aide-nous à t'honorer. Through these sacred hours, bless us. À travers ces heures sacrées, bénis-nous. As we study your word. Alors que nous étudions ta parole. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.